إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، donc nous allons commencer inshallah par la grâce d'Allah kitab, l'explication du kitab al-tawhid, du livre de l'unicité de l'auteur Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et nous avons choisi comme explication l'explication de Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah qui s'intitule I'anatul Mustafid bi sharhi Kitab al-Tawhid, Kitab al-Tawhid. Donc voilà, de Sheikh Al-Fawzan. Donc nous allons commencer, Inch'Allah, par la Muqaddima. C'est-à-dire l'introduction. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalq liya'budah wa asbagha 'alayhim ni'mi liyashkuru wa salati wa salam 'ala nabiyyina Muhammad da'a ila at-tawhidillah wa sabara 'ala al-adha' fi sabili dhalika hatta istaqarra 'aqidatu at-tawhid hatta istaqarrat 'aqidatu at-tawhid واندحر الشرك وأهله، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثاره وصاروا على نهج وجاهدوا في الله حق جهاده. أما بعد، طيب، فإن التوحيد هو أصل في بني آدم، في بني آدم. Donc, nous sommes dans l'introduction. L'introduction, c'est très très important. Si ce n'était pas, voire primordial, très très important, j'aurais passé l'introduction. Mais l'introduction, elle fait mention de beaucoup de choses très 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 importantes, voire font partie des bases, des usul. Voyez. Et il y a aussi par rapport à cela, dans l'introduction, une grande motivation. Qui pousse, bien entendu, à l'apprentissage, qui pousse vers l'apprentissage du tawhid. فَإِنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ الْأَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ. Donc, l'unicité, le cheikh nous dit, l'unicité, le tawhid, c'est la base chez les enfants d'Adam. C'est la base. وَالشِّرْكُ تَرَائِي وَدَخِلِ. Et le polythéisme, hein, il vient à la suite, il ne fait pas partie de la base. C'est-à-dire que, bah, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque enfant, hein, chaque fœtus, naît sur la bonne prédisposition. Hein, c'est-à-dire sur la bonne prédisposition à Tawhid. كما قال ابن عباس رضي الله عنه، donc دليل، شيخ الفوزان nous dit comme nous en a informé ابن عباس رضي الله عنه، كان بين آدم ونوح
عشر قرون كلهم على التوحيد. Donc Ibn Abbas il nous dit, il y a eu entre, c'est-à-dire l'époque entre Adam et Noé. Ashara Koron, ça c'est 10 siècles, ce qui équivaut à 1000 ans. Étant donné qu'un siècle équivaut à 100 ans, cela équivaut à 1000 ans. Donc entre Adam et Noé, 1000 ans, et toutes ces années, c'est 1000 ans sur le Tawhid. Pendant 1000 ans, ils étaient sur l'unicité, sur le Tawhid. Donc, bien entendu, ça c'est le dalil, comme le dit le shir, que l'asl, à la base, hein, l'homme, l'enfant d'Adam, les enfants d'Adam, à la base, ils étaient sur le Tawhid. On est bien d'accord. وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غلوا في الصالحين. Donc ensuite s'est produit le premier polythéisme, s'est produit le premier polythéisme sur la terre, c'est-à-dire l'association, le shirk. Il s'est produit chez le peuple de Noé, lorsqu'ils ont exagéré, on fait du roulou, comme on dit, sur les vertueux. Lorsqu'ils ont exagéré sur les vertueux. As-salihin. Wasaru, wasawaru, afwan, sawra. Et qu'ils ont donné forme à leur image. Qu'ils ont donné forme. Ils ont fait des images. Ils ont fait plutôt des formes. Hein. On va bien le voir, des statues. À l'image de ces vertueux. فآل بهم الأمر إلى أن أعبدوهم من دون الله. Et ensuite, il s'est produit par rapport à cela le fait qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah. Donc, ne vous inquiétez pas, cela va être expliqué en détail avec des fawaïd très très profitables. Le shir à la suite va expliquer cela dans d'autres chapitres en détail. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك, tout en interdisant, hein, pour qu'il interdise le polythéisme, ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له, et pour qu'il ordonne l'adoration d'Allah seul sans associé. وجاء الرسول من بعده كلهم على هذا النص. Donc, et tous les messagers qui sont venus à la suite, c'est-à-dire après Noé, tous sont venus dans le même, pour le même message. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, le dalil, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُحْيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. طيب. Et nous n'avons envoyé avant toi deux messagers sans qu'il lui ait été révélé qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, et Farbodoni, adorez-moi. Ensuite, il y a eu le polythéisme. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan nous parle du polythéisme en ce qui concerne Moussa et son peuple. Le polythéisme en ce qui concerne le peuple de Moussa. فَحَدَثَ عِنْدَمَ اتَّخَذُوا الْعَجَلِ. Hein, donc il s'est produit lorsqu'ils ont pris, le, comme tout le monde le connaît, hein, la vache, hein, l'histoire de la vache. وَكَانَ مُوْقِفْ كَلِمُ اللَّهِ مُوسَى وَأَخِي هَارُونَ. Et la position que fut celui qui a parlé à Allah, hein, on l'appelle Kalim Allah, hein, c'est Moussa, alayhi salam, et son frère Harun, la position qu'ils ont eue par rapport à ce polythéisme, on trouve le récit de cela, Cheikh nous dit, ma qassahu Allahu fi kitabi, comme nous a. Le récit dans le Kitab, le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, vous trouvez le récit de cela.
Amma shirk fil nasara, tandis que le polythéisme qui s'est produit chez les chrétiens, tandis que le polythéisme qui s'est produit chez les chrétiens, donc tous à la base ils étaient à la tawahid. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Si on revient du début à ce que Cheikh ici essaye de nous expliquer, nous explique, il nous dit à la base, tous les enfants d'Adam étaient sur le tawahid. Ensuite il nous parle, je me permets d'expliquer. Ensuite, il nous parle, pour ceux qui n'ont pas saisi, le Shir, il nous parle de Noé, le peuple de Noé. Ensuite, il nous parle du peuple de Moussa. Dieu était à la base sur le Tawhid. Le peuple de Moussa, ils étaient sur le Tawhid aussi. Les Nasara, ils étaient sur le Tawhid. Après, il va nous parler des Arabes qui étaient sur le Tawhid aussi. Vous allez voir. Donc, ensuite, nous avons le peuple de, plutôt le polythéisme des chrétiens qui s'est produit après que Isa alayhi salam ait été élevé. Et j'en profite pour donner une faïda, bien entendu, élevé et non crucifié. On est bien d'accord. Amma shirk fil nasara fa hadatha ba'da raf al-masih alayhi salam. Donc, le polythéisme des chrétiens se produit lorsque Isa alayhi salam fut élevé il as-sama au ciel ala yad al-yahoudi. Donc ala yad al-yahoudi, c'est quoi? C'est-à-dire que ce polythéisme qui s'est produit chez les Nasara, les chrétiens, juste après que Isa fut élevé, c'est par le billet, par la main, hein, comme il nous dit ici Cheikh, d'un juif qui s'appelait Boulis, d'un juif al-Yahoudi. Alladhi adhara al-Iman bil-Masih. Alors lui, ce qu'il a fait, nous dit Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, il a montré en apparence la foi en Issa, alayhi salam, en Issa, alayhi salam, mais en réalité, lui, il faisait un stratagème et il trompait. Et de la tromperie. Makran wa khida'an. Fa'adkhala fi dini nasara. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer dans la religion des chrétiens at-tathlith wa ibadatu sulayb. Il a fait rentrer quoi? La trinité et l'adoration de la croix. Alors, et beaucoup parmi les idoles. Lui, voilà ce qu'il a apporté. Alors, Mimbab el-Faïda, il y a beaucoup d'égarements, malheureusement, beaucoup d'égarements qui sont dus justement aux juifs, yahoudis. Sont dus aux juifs. Prenez la secte des chiites, des shi'a, c'est pareil, c'est un juif, Abdallah ibn Saba, qui est rentré, qui a fait semblant d'être musulman, etc. Il a envoyé ses ambiguïtés et ensuite, hop, il a disparu. Et ça a créé quoi? La secte des chiites. Donc pour vous dire. Tayyib, Amma wa amma shirk wa fi bani Isma'il, afwan, tandis que le polythéisme chez les enfants d'Ismaïl, donc ce sont les Arabes, hein, alayhi salam, Ismaïl, wahum al-Arab, donc Ismaïl, un fils d'Ibrahim, bien entendu. Wa amma shirk fi bani Isra, Ismaïl, afwan, alayhi salam, wahum al-Arab, fahadatha ala yad Amr ibn Lahi. Donc, tandis que le polythéisme qui se produit chez les enfants d'Ismaïl, qui sont les Arabes, il s'est produit par la main, hein, de ce personnage, Amr ibn Lahi. Ce personnage, Al-Khuzai. Donc, Alladhi ghayr din ghayr Din Ibrahim wa jalab al-asnam alladhi ard al-Hijaz.
إلى أرض الحجاز عفوا وأمر بعبادتها. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne les Arabes, les enfants d'Ismaïl? Alors ça, c'est connu. C'est qu'à l'époque, à la Mecque, hein, ils étaient sur la fitra, la bonne prédisposition en ce qui concerne... en gros, ils étaient, comme nous le dit le cheikh ici, sur la religion d'Ibrahim, donc sur le tawhid. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne... La personne qu'on vient citer là, qu'on vient de citer, lui, il est parti dans d'autres pays et quand il est revenu, il a ramené l'adoration. Il est revenu au Hijaz, en péninsule arabique, et il a apporté quoi? Il a apporté l'adoration des statues. Il a apporté avec lui l'adoration d'autres qu'Allah. Donc ça, il faut le savoir. C'est comme ça que le shirk, il est arrivé à la Mecque. Sinon, à l'époque, ils étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Wa amma ash-shirk fi ba'd al-muslimin fa hadatha 'ala yadi ash-shi'a al-fatimiyyin ba'd mi'at ar-rabi'a. Donc tandis que le polythéisme chez certains de parmi les musulmans hein, parmi les musulmans il s'est produit par la cause des chiites hein, comme on a dit précédemment des shi'a الفاطميين حينما بنوا مشاهد على القبور à partir du moment où ils ont commencé à construire des sanctuaires des genres de choses comme ça comme adoration hein, des tombes وأحدثوا بدعة المولود في الإسلام et ensuite ils ont mis en place l'innovation connue hein, qu'est le mouloud dans l'islam. Mouloud Nabawi, quoi, c'est la naissance du prophète. Wa ghalu fi salihin. Et ils ont fait aussi de l'exagération, de l'excès en ce qui concerne les vertueux, les pieux. Ça, on va le voir à la suite, c'est-à-dire, hein, on va le voir à la suite, ils les ont pris comme adorés. Wa kadhalika indama hadatha at-tasawwuf. المنحرف الممتثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق. Donc également, le polythéisme s'est produit aussi chez certains musulmans. Il s'est produit aussi lors de l'apparition du soufisme dévié et de l'exagération envers leur chouyour, qui est le pluriel de cheikh, hein, où ils font de l'exagération en les adorant, en leur vouant certaines adorations. etc. ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais le cheikh nous dit Allah سبحانه وتعالى est garant de la protection de la religion après le prophète عليه الصلاة والسلام على يد العلماء. Bien sûr par le biais plutôt du prophète عليه الصلاة والسلام aussi dans les mains des savants, ceux qui sont des réformateurs, des prêcheurs et bien entendu des revivificateurs. الذين يبعثهم الله على رأس كل مئة سنة. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie tous les 100 ans. Donc ça c'est par rapport à un hadith, cela est connu. Allah subhanahu wa ta'ala tous les 100 ans il envoie ce qu'on appelle un revivificateur. Donc ce n'est pas un renouveleur. Renouvellement, mais c'est plutôt revivifier, refaire vivre les sunnas qui sont oubliés ou lorsque la religion est délaissée, etc. Naam. Kama fi hadith, kama fi hadith, donc comme il a été mentionné dans le hadith. Fa baqi lil haqq ansarahu waliddin hamah. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tazal ta'ifa min ummati. Comme il a été mentionné dans le hadith, la parole du prophète, alayhi salam, il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté qui restera toujours sur la vérité. Et rien ne pourra leur nuire. Voyez, et rien ne pourra leur nuire. Wa lihada yaqul al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah fi muqaddimati kitabihi Radd 'ala al-Jahmiyyah. Donc, le cheikh nous dit, c'est pour cela que
C'est pour cela que l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, nous a dit dans l'introduction de son livre Réplique au Djahmiya. Djahmiya, c'est un groupe égaré, hein, un des premiers groupes égarés parmi les groupes égarés. Alhamdulillah, il l'a dit Ja'ala fi waqt kulli fitra min al-rusul baqaya min ahli al-ilm. Donc, lorsque l'imam Ahmed a dit Louange à Allah, celui qui a fait qu'à toute heure, toute époque, hein, à tout moment, il y ait des messagers et des gens de science. Yanfouna an kitabillah tahrif al-ghalim. Et ils viennent hein, répliquer, hein, contrecarrer avec le livre d'Allah les ambiguïtés de ceux qui font de l'exagération. Et les gens, et bien entendu, répliquer aux gens du faux et aux fausses interprétations des ignorants. Wa yad'una min dhall ila al-huda, min dhall ila al-huda. Ils appellent ceux qui se sont égarés à la guider. Wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Et ils patientent sur eux par rapport à leur persécution. Ils patientent sur leur persécution. Combien d'égarés ont-ils guidés? Wa min qatil l'Iblis qad ahya. Fama ahsan atharuhum ala an-nas wa aqbah athar an-nas alayhim. Wa min hawla alladhina wasafahum al-Imam Ahmad bi hadhihi al-awsaf al-'azima. Et parmi ceux qui ont été cités, parmi ceux-là, hein, que l'imam Ahmed rahimahullah a cité, il y a Cheikh al-Islam, al-Imam, al-Mujaddid, al-Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Il y a le Cheikh al-Islam, al-Imam, hein, al-Imam, al-Mujaddid, le revivificateur, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Faqad waqafa موقفا عظيما. Donc il a pris une place vraiment immense, hein, min mawaqif hawla al-a'imma, par rapport à la place que tiennent ces imams, hein, par rapport à l'orientation pour orienter les gens par rapport au changement qui s'est produit dans l'assemblée, c'est-à-dire dans la communauté. Il a eu une forte place, il a eu une forte incidence, un impact très fort par rapport à ce changement. Min al-inhiraf, hein, par rapport aux déviances, fil aqida, dans le dogme, wa inqisam fil hukm, au jugement aussi, wa par rapport aussi. En ce qui concerne l'adat al-jahiliya, c'est-à-dire les coutumes de la jahiliya, de l'époque anté-islamique, etc. Et par rapport à ce qui s'est produit de polythéisme, échec fil ibada, de polythéisme dans l'adoration. Wa mukhalafat li shar'i fil hukm bayna an-nas. Et bien entendu, les déviances qui se sont produites dans la législation par rapport au jugement entre les gens. نعم ورواج لسوق الشعوذة والسحر. Et bien entendu, l'impact qu'il a eu aussi, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, par rapport aux charlatans et aux magiciens. Aux charlatans et aux magiciens. والتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et bien entendu, l'impact qu'il a eu en ce qui concerne le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Alors, رغم كثيرة وجود العلماء فيهم المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية، لكن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرته بدون أن يكون لهم أثر ففعل في الإصلاح، فبنو إسرائيل هلكوا وفيهم علماء.
Donc, bien entendu, le cheikh, il nous dit qu'à l'époque, il y avait beaucoup de savants, il y avait beaucoup de savants et qui avaient vraiment une grande connaissance, hein, une connaissance très très étendue dans la jurisprudence et ses branches. Mais ce n'était pas suffisant. Le fait qu'il y ait beaucoup de ulama n'est pas forcément un impact sur le fait de réformer les gens. Le cheikh nous donne un dalil en nous disant, les enfants d'Israël se sont égarés alors qu'ils avaient beaucoup de savants. Fama lam yaqum ulama'ihim bima awjaba Allah alayhim fi an-nasr wa islah tasallata alayhim li shaytan. Donc comme ils n'ont pas, en parlant de ces ulama, comme ils n'ont pas mis en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le fait de réformer les gens, de les conseiller, etc. Donc le shaitan leur est tombé dessus et c'est lui qui a pris le dessus. Allahu ta'ala, wa tara kathiran minhum, et tu vois la plupart, hein, grand nombre parmi eux, qui s'empressent à la désobéissance, au péché. Ça c'est dans le Coran. إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف موقف صدق صدق والنصيحة. Donc à partir du moment où cet imam, nous dit le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, a pris position sur cette communauté, sur cette assemblée par rapport à ses déviances, avec véracité et vraiment en voulant les conseiller et avec sincérité, et ben ça lui a ça, ça, c'est là que les problèmes ont commencé. إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمع المنحرف موقف الصدق والنصيحة خلص هذا المجتمع مما وقع فيه من أسباب هلاك. Donc à partir du moment où il a commencé à prendre position pour justement contrecarrer tout ça, hein, toute cette puisqu'il est Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il est à une époque où il y avait des ulama, mais ils étaient un peu égarés. Il y avait la communauté, elle était dans le shirk, dans la jahiliya, dans la jahiliya. Et par la cause de ce shirk, ils ont commencé à se débarrasser de toutes les causes d'égarement. Tout en sachant que le shirk, c'était une seule personne. Walakin kama qil. Wahakada sunnatullah la tatagayya. Donc ça, c'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle ne change pas. Et elle ne change pas. Fal amar la tanahu min kubutiha wa la tastayqid min raqtiha illa bi tawfiqillahi thumma bi juhud ulama'iha al-mukhlisin wa du'atiha al-nasihin. Donc bien entendu, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle reste. Ça fait partie de la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la réussite qu'Allah octroie à qui il veut par rapport à l'effort que produisent les savants et ceux qui sont sincères, ceux qui prêchent la vérité. Alors, ensuite, le cheikh nous dit qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Malik, qui a dit, au moment où il a dit, traduction approximative, ne pourront se réformer les derniers de cette communauté que par ce qui a réformé les premiers. Ne pourront se réformer les derniers de cette communauté que par ce qui a réformé les premiers. Donc
ne pourront se réformer les derniers de cette communauté que par ce qui a réformé les premiers de cette communauté. Voyez? Mafhoum? Naam. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد. Donc le شيخ, ensuite شيخ الفوزان, il nous dit, le شيخ محمد بن عبد الوهاب et son livre, le كتاب التوحيد. هو الإمام, عفوا, donc c'est l'imam, العلامة, le savant, والمجاهد, le combattant, الصابر, celui qui a fourni tous les efforts, le patient, wad-da'i ila Allah ala basira, et le prêcheur à la voix d'Allah avec ala basira, la clairvoyance, wal-mujaddid, le revivificateur, lid-din illahi fil-qarni thani ashara min al-hijra, al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc le revivificateur de la religion d'Allah à la deuxième fi qarni thani, au deuxième siècle, thani ashara, douzième, pardon, thani ashara, au douzième siècle de la hijra, hein, de l'égir. Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman al-Musharrafi, afwan, al-Tamimi, al-Najdi. Walada, donc il est né fi Ruayna. Il est né à Ruayna en 1110 de l'Égir. Wanasha fi Bayt al-Ilm, donc il a vécu, grandi dans une maison de science et de connaissances et de noblesse. Fa abuhu Abd al-Wahhab kana faqihan qadiyan. Donc son père Abd al-Wahhab, c'était un savant, hein, dans la jurisprudence, il avait de la connaissance et il était juge. Wajaddu Sulayman kana mufti. Son grand-père Sulayman était un mufti. Bibalad al-Najd wa ra'is ulama'iha, dans le pays du Najd, et il était à la tête des savants. Wa ahmamihi wa abna'i wa a'mal kanu ahlu ar-raf'a wa 'ilm wa makana. Donc ses oncles étaient, et leurs enfants aussi étaient des gens élevés par rapport à la science, des gens de science. Donc tous ces savants, hein, ils étaient sur l'école de Al-Hanabila, de l'imam Ahmed ibn Hanbal, hein, donc on a dit Al-Hanabila, Shem, dans le Shem, hein, en Palestine, donc bien entendu là-bas il y avait des savants, hein, qui étaient des océans de science, dans la science. Donc Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a appris le Coran tout en étant, le Coran entier bien entendu, tout en étant petit. Il a étudié le fiqh, hein, la jurisprudence, le tafsir, hein, l'exégèse, ou le hadith, à la abihi, avec son père, wa ulama biladihi, avec les savants de son pays, hatta alama bima indahum fi waqti isir, maha tarwi wa munaqasha wa tadqiq. Tayyib, hatta a'jaba bihi walade, donc jusqu'au moment où son père a été étonné, et ses amis, et wa mashayikhihi, ses shuyukh aussi, hein. Donc, tous étaient étonnés de sa part par rapport à sa capacité d'apprentissage et sa capacité scientifique. Ensuite, il a commencé à apprendre plus dans la connaissance par rapport au livre d'Allah et l'exégèse et la lecture et l'assimilation du Coran. Et bien sûr, les preuves du Coran wa ala sunnati ar-rasul, et bien entendu sur la tradition prophétique et aussi sur la vie du prophète, la biographie du prophète Ali salatu wa salam. Donc il avait une capacité très étonnante.
وعكف على كتب شيخين. Donc ensuite, il s'est consacré au livre de deux savants, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa Cheikh al-Imam ibn Qayyim. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, connu de tous, et son élève, Cheikh al-Imam ibn Qayyim, l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Khususan kutub al-Aqida, plus particulièrement les livres de la croyance du dogme. Thumma allat bihi wa hammatihi, fa safar ila ulama al-Haramayn. Jusqu'au moment où il est parti, il a voyagé vers les savants de la Mecque, wa ulama al-Basara fil Irak, et aussi les ulama de l'Irak. Il les a rencontrés, wa hadaranam ilman azizan fil fiqh wal hadith wa ulumi. Donc il a pris la science avec eux, beaucoup de science, la jurisprudence, le hadith, etc. Hatta jusqu'à ce qu'il s'est, il a commencé à s'élever dans la science. Wa akhadha عن كل من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره. Donc, il a pris, hein, il a pris et maîtrisé de tous les ulama qu'il a rencontrés à son époque. من أئمة المحققين ودرس التفسير وحدث الدراسة. نعم, voilà. وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجد بون شاسعا بين هذا الواقع وبين ما دل على كتاب والسنة. Donc, quand il a commencé à regarder la situation de son époque, il a vu qu'il y avait un décalage par rapport au kitab et au sunna, wa ma kana alayhi aimat as-salaf, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, fil i'tiqad wal manhaj, en ce qui concerne la croyance et la voie à suivre. Fal ulama fi waqtihi fil ghalib mashghulun bi dirasat al-fiqh wa aqaid al-ulama al-kalam. Donc les savants à son époque, ils étaient occupés à étudier la jurisprudence et la aqida des gens égarés, des gens du kalem. Hein. Les gens du kalem, ce ne sont pas les gens, les gens de la sunna. Et leur déviance par rapport à la croyance des pieux prédécesseurs. وعامت منها من هامك في البدع والمخالفات والشركيات والدعاة الأموات. Donc en général, hein, ils étaient, la majorité, ils étaient sur les innovations, les déviances, le polythéisme, ils invoquaient les morts, sans demander à un seul des ulama, non, sans qu'un seul parmi les savants essaye de changer cela. عند ذلك لم يسع الشيخ محمد رحمه الله السكوت عند التغيير والإنكار. Donc, bien entendu, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab n'a pu se taire, hein, et il fallait qu'il change ce munkar, c'est-à-dire ce mal, réprouver ce mal. Wad-da'wa ila al-islah. Donc, il a appelé à la voie d'Allah, à réformer les gens. Wa'awda ila kitab, et le retour au livre d'Allah et à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa'tasfiyat al-aqida, pour pouvoir purifier la croyance islamique, mimma allaqa biha, wa ghayyara wajhaha wa dahisaha wa aqara sufuha, na'am, wa nadhirataha. Donc voilà, il a essayé de changer tout ça. Fa'azama ala qiyam ala qiyam bi da'wati ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izati al hasana. Donc il a appelé, il a prêché à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse et la meilleure des exhortations. Donc il a commencé la dawa par son pays, hein, allati istaqarra biha waladihi thumma tara minha thumma dhahaba ila. Donc il a commencé par son pays et ensuite il est parti pour faire dawa ailleurs. طيب فوصل الشيخ رحمه الله عمله في الدعوة إلى الله ورأس العلماء البلدان والأمراء يدعون إلى الله. Donc ensuite sa da'wa, elle est passée, elle a commencé à se propager. La da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab a commencé à se propager chez les savants, dans les pays, tout ça et tout. Et le Cheikh leur a éclairci
Il y a eu un éclaircissement par rapport à la réalité de ce sur quoi ils étaient, de déviance, et le cheikh a réussi à les unir. Donc le cheikh a aussi répliqué à tous les problématiques qu'avaient les ulama à cette époque, entre la vérité et le batal. Il avait réussi à leur faire des éclaircissements. Donc bien sûr, sa darwa s'est répandue même pour ceux qui étaient contre la vérité. Et bien sûr, sa darwa aussi touchait ceux qui étaient vraiment contre, hein, qui faisaient ce qu'on appelle du suivi aveugle, du fanatisme, ta'assoub. وبالصيف والسنان من قبل ولاة الأمر من آل سعود أثابهم الله. Donc il a commencé par la da'wa, hein, bil-hujja, avec les preuves, tout ça et tout, jusqu'à ce que ça on est arrivé au combat. فكتب الله جل وعلا له النصر. Donc avec, bien entendu, hein, avec à la tête de il s'est allié avec Ali Surud, le roi Surud, le prince Surud, pour mener les batailles. Fakatab Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a écrit, hein, destiné le secours, c'est-à-dire qu'ils ont gagné. Wali darwatihi wa amdal wa intishar, en ce qui concerne même le combat. Ensuite, sa darwa, la darwa du shir, la propagation de sa darwa. Natijat li jihad imamein, Muhammad ibn Abdel Wahhab. Donc le résultat, hein, de cette darwa, et Mohammed ibn Saoud, hein, qui se sont main dans la main, hein, comme disent certains ulama. Mohammed ibn Abdel Wahhab qui était le savant, hein, l'ilm, et Mohammed ibn Saoud qui était l'épée. Hada bi hujja wal-lisan, avec les arguments et la langue. Wa hada bi sif bi sanan, donc vous voyez, c'est ce qu'on vient de dire. Wa hakada idha ijtama'a kitab Allah wa sif al-jihad intasara al-haq. Donc quand il y a eu l'union du livre d'Allah et l'épée à l'époque, hein, et l'épée à l'époque du djihad, intasara al-haq, donc la vérité a été secourue, et le battle, hein, fut écrasé, le faux fut écrasé. Qala ta'ala, cela a été mentionné dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Laqad arsalna rusulan bil bayyinati, et nous avons envoyé des messagers avec les éclaircissements, les preuves. Et nous avons envoyé avec eux des livres. Tayyib. Wa hiya illa fitran wa jiza hatta danat al ibad wal balad da'wat al haqq. Donc ensuite, après cela, la darwa, elle s'est propagée, et c'est comme cela que l'appel à la vérité a pris le dessus. Et bien entendu, elle s'est répandue, hein, la droiture du dogme, de la croyance à l'unicité, s'est répandue dans tous les endroits. Et même dans des endroits très lointains, il nous dit ici. Voilà. Et parmi ses plus immenses bienfaits, hein, c'est-à-dire résultats, fruits de cette darwa, la darwa de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est la mise en place d'un état de l'unicité. Hein, la mise en place d'un état de l'unicité, du tawhid, wa tahkim al-sharia, et avec le jugement de la législation. Wala tazal wallahu alhamd ala hadhihi al-bilad mahma aradaha. Donc, et cela ne cesse dans ces pays, hein, jusqu'à aujourd'hui, cela ne cesse. Laqad laqi shaykh rahimahullah كغيره من الدعاة المصلحين المعارضة من خصومه واتهامات باطلة.
فقيل عنه إنه يريد الملك وسترة والتسلط، وهذا قيل في الحق الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا الرجل يريد أن يتفضل عليكم فتكن لكما. نعم. وقيل إنه جاء بمذهب خامس. Donc, ensuite, bien entendu, lorsque l'on ne peut dénigrer un contenu, on ne peut dénigrer un contenu, qu'est-ce qu'on fait? On dénigre la personne. Donc, à partir de ce moment-là, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Cheikh Fawzan nous dit, comme beaucoup d'autres prêcheurs à la vérité, il a été attaqué. Il a été attaqué et il s'est donc. Voilà, il a été attaqué et beaucoup l'ont contredit et sont venus dire, même ce qui a été dit, ils ont dit de lui, même des choses qui ont été dites sur des messagers. Il a été dit aussi de lui qu'il est venu avec un cinquième madhhab, une cinquième école, hein, qui a été appelée Al-Wahhabiyya, hein, c'est-à-dire. Que tous ceux qui suivent Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ils les ont taxés de wahhabites. Pourquoi? Parce que lui, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a des écrits et il a été auteur de livres, des écrits et par rapport à sa darwa, de choses qui viennent contredire carrément leur déviance et tout ce qu'eux-mêmes ont écrit d'innovation et de polythéisme. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit que, Cheikh Al-Fawzan nous dit que tout cela-là qui viennent nommer la darwa de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab de Wahhabiyya, tout cela est du mensonge, car la réalité témoigne du contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle religion qu'il a apportée, une nouvelle secte, un nouveau sectarisme, une nouvelle religion, et tout cela est présent dans son prêche, dans sa darwa, dans ses livres et dans ses fatawas. Dans ses fatawas. Et en ce qui concerne la croyance, il est Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il était sur la croyance, le dogme des pieux prédécesseurs des salafs. Wa fil fiqh ala madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, et en ce qui concerne le fiqh, la jurisprudence, il est sur l'école de l'Imam Ahmad. Lam yanfarid an madhahib al-arba'a bi qawli wahid. Donc il ne se démarque pas du tout. Il ne se démarque pas du tout d'un seul des quatre madhhab, d'une seule des quatre écoles, même pas d'une parole, même pas d'une parole. فَكَيْفَ يَكُنْ لَهُ مَذْهَبْ خَاسْ. Comment peut-il avoir, alors à partir de ce moment-là, comment peut-il avoir une école spécifique par rapport à ce qui est dit, l'école des wahhabites, ils ont fait une cinquième... École, donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit? Qul hatu, un verset du Coran qui nous dit: apportez vos preuves si vous êtes véridique. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Wa man arada ma'rifatu shubuhat allati athirat hawlahu wa hawla da'wati falyuraji' kutubi. Donc, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit: celui qui veut connaître les ambiguïtés qui tournent autour de ça, en ce qui concerne Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab par rapport à sa darwa, celui qui a des ambiguïtés, hein, qu'il revienne à ses ouvrages. Qu'il revienne à ses ouvrages. Ajaba bihi an tilka shubuha. Et bien entendu, il a répondu à ses ambiguïtés. Walhaq wadih, walilhamd. La vérité est claire par la louange, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.
نعم، ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من تجديد وإصلاح. Donc, parmi les gens, il y a des gens hein, qui ont désavoué la dawa du shir et cette revivification. Et Naam, ils ont désavoué cela. وقال إن حالة أهل النجد في وقته كانت على الاستقامة والصلاة. Donc ils disent non, non. La situation des gens du Nejd hein, à l'époque, ils étaient sur la droiture. Donc voilà, wafim ulama, il y avait des savants. Wama dhukira an da'wat al-shaykh wa an fasad ahwal qabla da'wati, innama huwa tahwil al-muwarikhin. Donc ils disent que c'est pas vrai, ceux qui disent que à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, tous ils étaient dans. Il y avait des ulamas, ils étaient sur le tawhid, etc. Et ceux qui disent que c'est pas vrai, c'est des menteurs. Wa ta'atim ala al-waqi'a. Wa warada mithal hadha al-hirra wal-juhud lima huwa ma'lum wa mutawatir la yahtaj ila kathir al-'ina wa kutub khusuma min mu'asiriya. Donc, bien entendu, il y a les preuves, et Cheikh Fawzan dit, il y a les preuves à tout ça. Comme quoi à l'époque ils étaient égarés, les ulama à l'époque du shir, et le shir est venu en tant que revivificateur. Alors ensuite le shir nous dit وأما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. En ce qui concerne le livre de l'unicité, celui qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, il fait partie, donc le livre Kitab al-Tawhid, il fait partie, fahuwa min a'zam al-mu'allifat. Il fait partie des plus immenses ouvrages de l'imam, le revivificateur, Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Allafahu fi bayan al-Tawhid al-Uluhiyya. Donc il l'a édité, il l'a écrit, hein, pour expliquer l'unicité de la divinité. L'unicité de la divinité. Wa huwa ifradullahu bil ibada, qui est, c'est-à-dire l'unicité de la divinité, qui est le fait d'unifier, d'individualiser Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de délaisser toute autre adoration. Et de délaisser l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se désavouer de cela, c'est-à-dire du polythéisme. Wa bayyana ma yunaqidhu min ash-shirk al-akbar. Et dans ce livre, il y a aussi l'éclaircissement, l'explication, la clarification de ce qui vient annuler le tawhid, ce tawhid, hein, c'est-à-dire le grand polythéisme. Aw yanqus kamal al-wajib, ou qui vient diminuer cette perfection, hein, c'est-à-dire le polythéisme mineur, le shirk al-asghar. Wa khassa shaykh hadha an-naw' min at-tawhid. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a insisté, appuyé, particularisé ce genre de polité, ce genre de tawhid, ce tawhid-là, le tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, parce que c'est celui par lequel on entre dans l'islam. Wa yunji min adabillah, et c'est celui qui sauve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa at-tawhid alladhi bu'ithat bihi ar-rusul, c'est l'unicité pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Wa unzilat bihi al-kutub, et le tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les livres. Wa khalafa fihi al-mushrikun, et c'est celui qu'on dévié, hein, c'est celui dont les associateurs ont dévié. Ce tawhid fait que les amène au Mekan à toutes les époques et à tous les endroits. Wa amma at-tawhid ar-rububiyya faqad aqarra bihi al-mushrikun, tandis que l'unicité de la seigneurie, les associateurs l'ont accepté, l'ont agréé, hein. Wa lam yadkhuluhum fi al-islam, et cela ne les a pas fait pour autant entrer dans l'islam. Wa lam yuhrim dima'ihim wa amwaluhum. Wa lam yuhrim dima'uhum wa amwaluhum, et cela n'a pas rendu licite leur sang et leurs biens, et cela ne les a pas, on parle du tawhid al-rububiyya, de l'unicité dans la seigneurie, cela ne les a pas sauvés de l'enfer.
وإنما هو الدليل وبرهان لتوحيد الألوهية، mais plutôt le tawhid, l'unicité de la seigneurie est une preuve qui pousse, hein, qui doit faire entrer, est une preuve de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est la seule divinité en droit d'être adorée seule sans associé. Donc pour aujourd'hui, inshallah, on va s'arrêter là. Et prochainement, nous continuerons, nous commencerons le chapitre numéro 1. Ça, c'était alors, cela était l'introduction. Ensuite, nous commencerons nous terminerons un tout petit peu la muqaddima, l'introduction, et nous commencerons le premier chapitre, Bab al-Awwal. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم باب الأول كتاب التوحيد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.